Y'all blazing gang de p'tits chevreuils.
On s'en va pour la dame, c'est des gros, c'est des gros affaires. On s'est dit, on n'a aucune expérience à faire ça, on n'a aucun diplôme. Alors, louer aux hommes d'affaires. Et c'est ce qu'on fait pour aujourd'hui. Jouer aux hommes d'affaires? Tout à fait. Mais vous êtes de moins en moins quelqu'un qui joue à l'homme d'affaires. Non, je joue encore aux hommes d'affaires, ouais. Ouais, pas convaincu d'en être un, tout à fait. Ou alors tout le monde peut-être joue aux hommes d'affaires et on ne dit pas. Non, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui joue aux hommes d'affaires parce qu'à partir du moment donné, ils commencent peut-être à jouer aux hommes d'affaires, mais la journée ont du succès. Ce qui arrive, ce que j'ai observé, en fait, il y a des exceptions, j'en suis une, mais j'observe en général que les gens, lorsqu'ils atteignent un niveau de succès, ils commencent à avoir peur de perdre ce qu'ils ont acquis. Puis moi, j'ai pas peur de perdre ce qu'on a. J'ai excessivement confiance. Le développement futur du cycle, continuer à se construire sur les bases qu'on a créées depuis le début.